Sur la poutre d'une maison, un cœur vide reste gravé. Le graveur de ce blason, un jour, a dû s'en aller. En 14, en pleine moisson, tous les tocsins ont sonné. Il est parti donner la leçon, parti leur mettre la volée. Sur la poutre d'une maison, deux lettres devraient s'y trouver. Deux initiales, deux prénoms qu'il n'a pas pu terminer. C'est en 15, après le front, qu'il écrit dans son courrier qu'à la prochaine permission, il finira par les graver. À la cave dans un carton, alors elle entreposa, entourée d'un vieux chiffon, le fameux ciseau à bois. En 17, le sourd canon brisa les tuiles du toit. La femme périt dans l'explosion sans jamais revoir son soldat. J'ai racheté la maison il y a bien longtemps déjà. J'ai trouvé dans le carton la lettre du graveur sur bois. Descendu dans le salon, le cœur n'attendait que moi. Ils m'ont guidé de là où ils sont, et ça, je ne me l'explique pas. J'ai moi-même gravé leur prénom avec le ciseau à bois.